Le projet G3 que l'on mène avec l'Université de Montréal et l'Université de Genève porte sur la circulation des idées, essentiellement sur les questions liées à la migration, mais peut-être avec une particularité, à savoir qu'on essaye de développer cela avec 4 universités partenaires africaines, avec l'objectif de mener une école doctorale au niveau de ces universités africaines. La plus-value de travailler en G3, c'est d'abord un multiple regard au moins des 3 universités, on va dire, occidentale sur la question migratoire avec des histoires très différentes, puisqu'on parle essentiellement d'immigration, et puis aussi quand même de manière fondamentale le fait de travailler avec l'université africaine où le regard sur l'immigration est tout à fait différent, puisque d'une certaine manière on a toujours peur de cette immigration africaine, alors même que l'immigration africaine pour 95% est en Afrique et qu'il est important aussi de généraliser, populariser et soutenir la recherche en Afrique sur ces questions-là qui aujourd'hui d'une certaine manière n'a pas le même soutien au niveau des universités ou des pouvoirs publics. Ce que ça a apporté de travailler avec Genève et avec Montréal, c'est d'avoir des expertises très différentes sur la question migratoire, puisque dans ces 3 pays, on pense de manière différente. On se pose des questions aussi différentes sur la migration et sur l'intégration. Et ce sont des réflexions qu'on mène aussi dans les villes et dans les pays en Afrique, en essayant de confronter d'une certaine manière ce que nous avons dans nos pays occidentaux par rapport à ce qui se passe dans les universités partenaires en Afrique.